Ah, je suis souvent, ouais. Les deux catcheurs qui retournent au backstage. Et tout de suite, l'un des matchs les plus attendus, avec des nichons qui vont voler dans tous les sens. Le match féminin de la soirée, Lyla Rose, la Suissesse, contre Kaza, l'Irlandaise. Et oui, car c'est une soirée à thème irlandaise, et ce soir, nous avons une catcheuse irlandaise qui est venue de Dublin, avec notre arbitre officiel, hein. Je l'adore. Ah, l'arbitre légendaire, presque un Hall of Famer, hein, qui est là depuis quand même pas mal d'années. Et oui, Adrien qui est là depuis très très longtemps. On le salue s'il regarde cette vidéo et j'en suis sûr qu'il se fera un plaisir de revoir ses actions dans le ring. Et oui, c'est pas fréquent qu'on ait des matchs féminins à la SPW et ça fait toujours plaisir car ce n'est pas que du tirage de cheveux, c'est du vrai combat. Et croyez-moi, ces catcheuses s'en mettent plein la tête, sans retenue, à notre plus grand plaisir. C'est Lyla Rose, elle nous vient de Zurich. Et une Sveta Butch. Ah oui, une fille qui s'est entraînée avec Cash Crash, Diablo, d'autres personnes comme ça. On risque de voir où ça va nous mener, hein. Et on le voit déjà d'ailleurs. Et là, on remarque le manque de cohésion sociale entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Je suis pas sûr que ce soit dû au Rusty Graben, hein. Je pense que c'est plutôt dû à l'attitude. Oui, enfin, c'est quand même un match international, on aurait pu s'attendre. Oui. Mais elle a raison, après moi j'approuve, hein. elle a tout à fait raison. Les Lausannois n'ont pas du tout idée de ce qu'ils sont en train de regarder, ils sont juste là. Ah, mais ça va pas tarder, je pense qu'ils vont vite se faire une idée quand la charmante Kaza Glennon va arriver. Et la voilà. Et voilà, de Dublin à Kaza. C'est bien, elle a compris qu'elle a moins de talent, donc elle a une jupe plus courte aussi. Mais non, c'est une tenue de catch féminine. Mais j'apprécie. La charmante irlandaise. Elle devrait l'enlever en fait. Ah, elle est belle, Kaza, et elle va donner du fil à retordre à Lyla Rose, croyez-moi. Elle a compris comment se mettre le public dans sa poche, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui n'est pas là que pour sa tête. Hein. Et ça va envoyer lourd. Hein. Ça fait erreur, je ne sais pas pour vous, moi c'est le premier match féminin que je commente. Et ça... Ce qui est dommage, c'est déjà ce plaisir. Genre de match. On va se retrouver dans une circonstance très très combative. Oui. Contrairement à un match comme Max Steiger contre Jason, où ça va être une ambiance très romanesque. C'est l'inverse serait beaucoup plus appréciable. Mais enfin, ça n'engage que moi. Hein, mais... oh, peut-être que je suis entouré par beaucoup d'homosexuels à refouler. Il devrait juste sortir du placard, il se sentirait vachement mieux. À l'arbitre en tout cas. comme suivez l'exemple de Diamond Daniels, voilà, il ne se gêne pas de ce qu'il fait. Non. Et l'arbitre, mesdames et messieurs. Écoutez, il va y avoir du contact entre. Je vais demander à être arbitre, puisque là. Non, je l'ai présenté. Écoutez, il va y avoir du contact entre filles. Ah oui, il a du contact, oui, entre contact entre filles. Est-ce qu'il va y avoir des prises de tête entre femmes, ça on connaît aussi. Les mecs vont adorer ça, croyez-moi. Alors, restez avec nous. Ne bougez pas, ça commence tout de suite. Là, je pense qu'on a l'attention de nos... Ah ouais, vous êtes au bon endroit. Vidéo spectateur. N'oubliez pas de regarder ça en haute définition, ça le vaut. Un peu de chain wrestling, ça tourne vite, ça s'enchaîne. Tous les shows sont disponibles sur spw-catch.com ou sur notre chaîne officielle, SPW officielle, sur YouTube. Et voilà, Kaza qui a ramené la rose au sol et qui se tire le chignon, la crêpage du chignon. Au visage, il l'a passé dans le coin. Et le arm drag. Bien porté, rapide, efficace. Deuxième arm drag. Et un close line, parce qu'au niveau de la poitrine. Et une deuxième, ça claque autant pour les filles, hein. On voit, elles sont couchées, ça coupe le souffle. Et son adversaire, au visage. Corps projection contrée par Lyla Rose. Elle revient avec un crossbody. L'écrasement. Le joli slam de la part de Lyla Rose. Qui tente déjà de tomber, ça ne suffit pas. Ah, c'est dommage qu'elles aient des shorts sous leur jupe. Ah, et néanmoins. C'est regrettable. Néanmoins, ce sont des beaux corsets qu'elle nous propose là. Oh, la lance en utilisant ses cheveux. Hein, ça, on revoit ce slam. Bien porté. C'est typiquement féminin ou Max Steiger. Les cheveux, non, ils ne sont pas. Oui, mais il devrait ajouter ce mouvement dans son. Il n'y a pas tant de catcheurs que ça qui ont les cheveux longs. Eh, on voit l'arbitre qui est au plus près de l'action, hein. Vous m'étonnez. Oui. La rose qui nous montre
Ah non, mais qu'est-ce que... Elle a raison, ouais, très bien. De distraire l'arbitre, ouais, c'est pas difficile hein, dans ce cas-là, on le voit. La case à mal en point, hein. Allez, on veut pas voir ça, on veut voir du scissoring, mesdames et messieurs, du scissoring. Non, écoutez, c'est censé être un spectacle familial. Ouais, je pense c'est pour que... ça que ça commence à 9h du soir. Hein, donc... Oui, mais à ce moment-là, nous en avons... En plus, l'entrée du tacos pas est interdite au moins de 16 ans, donc c'est un problème réglé. Mais je parle de la vidéo et pas forcément du show en live. À ce moment-là, je pense que nous avons surtout un public adolescent, si vous voulez mon avis. Le balayage de jambes. La ramener au sol, efficace. Descente du coude. Elle me fait penser un peu à Odilier, à sa manière de descendre du coude. Peut-être moins imposant, hein, mais... Tentative de close line. Chicken wing contrée. Un, deux, dégagement, Kaza est toujours dans le match. Oui, oui, ça ne suffira pas, c'est encore un peu tôt. Elles ont les deux de l'énergie à vendre. Les deux catcheuses. Ah, souplex, et la souplex, très bien portée de la Rose. Ah, Leila Rose qui va, hein, elle se ménage pas, hein, et encore moins son adversaire. Pour le plus grand désarroi du public. Elle place son adversaire dans le coin, elle étrangle. Mais non. Un, deux, non, elle a 5 secondes, c'est légal pendant 5 secondes. Hein. C'est légal, mais c'est pas correct. Ah non, on essaie de changer de coin, ça ne marche pas. Et la Russian leg sweep. Elle va la ramener au sol. Ça claque fort, mais Kaza doit prendre un peu son souffle là. Faut lui laisser deux. Dans ce point de vue même. Il faut lui laisser 2-3 secondes. Et on voit notre cher photographe Chris hein, qui va nous faire des magnifiques photos de tout ça. Toujours. Hein. Il devrait se baisser un peu plus pour avoir des meilleurs angles. Oui, oui, d'ailleurs on le salue Chris hein, pour son magnifique travail. Kaza, deuxième close line, elle est de retour dans le match. Allez, Kaza à son second souffle. Visage. Encore une projection, projection dans le point opposé. Et le. Planchette. Planchette japonaise. Qui a fait rouler Leila Rose. Qui est dominée pour l'instant. Et allez, le dropkick. Dropkick frontal directement. Envoyé dans le ventre. Kaza est réveillé, il faut que Leila Rose revienne. L'Irlandaise est à sa soirée, elle veut gagner ce match. Oh! Ouh le teaser là, ça commence à s'approcher du scissoring! Allez, allez, allez! Deux. Fini! Et ça a suffi, le ciseau de tête a planté la tête de Leila Rose. Ah, c'est regrettable! Ah oui, victoire! Oui. C'est toujours trop court, mais. Irlandaise ce soir. Première victoire irlandaise pour la Celtic Summer Fight. Nos amis du Nord sont à l'honneur ce soir et Kaza repart victorieuse. Ah le très bon le zoom là, très bon. Oui, très mais bon. Qui a coupé? Qui a coupé? Mais c'est toujours ce même technicien là, il commence à me taper sur le système. Ah oui, alors là effectivement. Il fait des remarques, il fait des coupures, ça je vous le laisse, mais on peut revoir ce. Moi je dois vous dire, je suis pas du tout charmé par son travail. Monté hein. Et qui a planté la tête de Leila Rose par terre, oui. Écoutez. Hein. Bon, il fait ce qu'il peut hein, et nous avons de très belles vidéos de ralenti magnifique. Et l'arbitre qui est au bord de l'évanouissement, Kaza lui a fait un bisou. Le cher Adrien, là, il va devoir se remettre des émotions car ça va continuer tout de suite. Je ne sais pas quel est le prochain match. Hein. Est-ce que vous avez la liste des matchs ?